Hamza Mchrif. Je représente la marque Identity Design, qui est en fait une société d'architecture d'intérieur. Par rapport au showroom d'Identity Design and Friends, on a la marque Igloo de Luminaire, qui est une marque autrichienne. On a Fluxograma, qui est un prestataire de mobilier de bureau portugais. On a Graffito, qui a eu la gentillesse de nous faire tous ses visuels. On a aussi Prestige Bureau, avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis des années. Pour le Quai des Créateurs, c'était une très belle aventure. Alors déjà, la première des choses, c'est que ça a été pour nous une occasion de nous rencontrer. Parce que dans la folie de Casablanca ou de Rabat, on a très peu cette opportunité. Donc c'était l'une des plus belles choses, l'expérience humaine. À Marina Rabat Salé, c'était un endroit que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été très agréablement surprise. Le côté architectural qui est très professionnel, les finitions, l'ambiance et la vue est juste magnifique. Par rapport à la ligne de mobilier que j'ai créée, pour moi ce qui est important c'est d'avoir du plaisir à faire des choses, de toucher les gens. Chaque pièce a une histoire, chaque pièce a un concept spécifique. Une des pièces que j'affectionne particulièrement c'est le miroir Lasine-Lasine-Fell, que je retrouve très représentatif de mon état d'esprit, on va dire, et de ce que je pense réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est vraiment les actes et les gestes. C'est comme avec Igloo, donc je peux mettre en parallèle avec ce projet, où c'était vraiment une belle initiative de donner la chance à des créateurs d'avoir pignon sur rue. C'est un très beau geste, on va dire. يا قمر الحلوين يا سهر بتشرين